La première démarche, c'est d'avoir un travail à temps plein, donc un CDI, sachant que sur une proximité dans les exploitations, il y a parfois des CDI partiels, à temps partiel. Donc ça permet d'avoir de l'emploi stable sur un périmètre bien déterminé. Alors la mise en place des groupements a apporté de l'emploi dans les exploitations, qui a concrétisé justement de l'emploi en CDD, en CDI, et c'est quand même important sur le département. Alors les perspectives, donc le fait d'avoir un CDI comporte des avantages pour un salarié. Donc en termes de formation, donc plus facile à se libérer pour partir en formation, c'est un grand point. Donc voilà.